Eh bien, bienvenue à Hors du commun. On a l'immense plaisir d'avoir Sonia Lebel avec nous. Madame Lebel, vous êtes une politicienne hors pair. Mon Dieu, c'est gentil, merci. Vous avez gravi les échelons et vous êtes une des rares politiciennes, en fait. Les femmes sont plutôt rares à l'Assemblée nationale. J'aimerais ça que vous nous racontiez un peu votre expérience de politique. C'est quoi cette jungle-là? Et un peu aussi votre expérience de femme dans tout ça. Hey, mon Dieu, c'est une grosse question, une grande question. Écoute, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de femmes en politique, par contre. Hein? On le voit, nous, la dernière élection, il y a environ, là, je te dirais, plus que le tiers, à peu près 40%, peut-être 38% des femmes, mon pourcentage n'est probablement pas exact, mais de femmes qui ont été élues dans divers comtés. Et on a réussi aussi à la CAQ à faire élire un nombre de femmes suffisant pour être capable d'avoir un conseil des ministres qui est dans ce qu'on appelle la zone paritaire. La zone paritaire qui est au-dessus de 40%. Mais c'est sûr qu'on prendrait plus de femmes en politique. C'est quand même... Je dirais que c'est un... Il y a des facettes de la politique qui sont très difficiles humainement. Peut-être plus difficile pour les femmes. Comme quoi? Ben, je dirais que les attaques sur les réseaux sociaux, à titre d'exemple. On plonge vite dans le cœur du sujet, là, parce qu'il y a beaucoup de beaux côtés à la politique, de côtés super intéressants. Mais puis c'est peut-être pas juste la politique, je dirais être public. Pour une femme est beaucoup plus à risque ou difficile. En tout cas, je parle de mon expérience personnelle. Les messages sont plus virulents, la violence des messages. L'attaque sur l'apparence personnelle est souvent plus présente quand on parle à une femme. Même moi, dans le temps de la commission Charbonneau, les commentaires, ça pouvait être des bons commentaires, mais tu sais, les commentaires qu'on porte des fois sur les femmes publiques, même quand ça se veut des compliments, c'est souvent des commentaires sur l'apparence. C'est beau ce que tu portes, t'es jolie aujourd'hui, puis c'est pas que ça fait pas plaisir, mais on se rend compte que, et je vous mets au défi d'aller voir les Facebook ou les réseaux sociaux de collègues ou de personnages publics masculins, souvent c'est « t'es bon », c'est le fun ce que tu fais, j'apprécie ce que t'as dit, et quand c'est une femme, c'est souvent sur l'apparence physique, aussi sur les compétences, mais c'est beaucoup... On dirait que la première vitrine de la femme va toujours demeurer son apparence physique, alors que celle de l'homme, c'est souvent plus les propos qui sont remarqués en premier. Ceci étant dit, je me plains pas, je fais juste un constat. Ce qui peut faire que ça peut être beaucoup plus... quand c'est positif, tout le monde est content de recevoir des compliments, peu importe la nature, donc c'est pas de la fausse modestie ni de dire arrêtez d'en faire, c'est pas ça, mais c'est de prendre conscience que quand ça bascule de l'autre côté... Bien, quand les compliments sont négatifs, quand les commentaires sont négatifs envers une femme, on tombe encore dans les insultes et l'apparence physique. Tu sais, est-ce que ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé beaucoup dans ma carrière parce que je me suis mis dans des positions où j'étais susceptible de recevoir des commentaires. Pas parce que moi personnellement j'en attire plus que d'autres, mais à partir du moment, comme je le dis, où on est public, donc à partir du moment où la commission Charbonneau m'a mis dans l'œil du public, je suis devenue une cible comme toutes les autres, puis c'est pas ni plus ni moins. Donc, je suis pas une victime plus grande ou moins grande, mais il y a un constat qu'on doit faire où le fait d'être public. Maintenant, c'est sûr que une fois qu'on parle d'un personnage public, le milieu politique aussi, parce que là, on est vraiment souvent dans des enjeux qui peuvent être controversés pour les gens. C'est pas vrai qu'on peut prendre une décision qui va plaire à tout le monde. Donc, nécessairement, quand on déplaît à une certaine frange de la société, bien, c'est un infime pourcentage des gens, mais des fois, c'est cet infime pourcentage-là quand ça vire en insulte qu'on reçoit, malheureusement. Et c'est souvent la majorité est silencieuse et les minorités sont très vocales, mais on reçoit souvent des... Donc, c'est peut-être plus difficile pour une femme, je le dirais, dans ce sens-là. Je viens d'un milieu, moi, j'étais procureure de la Couronne pendant 25 ans, plus de 25 ans, comme vous le savez. Je viens donc d'un milieu où j'ai travaillé beaucoup avec des hommes, des policiers, des avocats de la défense, des juges. Je faisais du droit criminel, donc c'est un droit qui est par définition dans un milieu beaucoup plus dur. Je faisais des dossiers de crimes organisés, des dossiers de meurtre. Donc j'ai toujours évolué dans un milieu, disons, où on,
on faisait pas de la dentelle. On faisait pas dans la dentelle. Donc, je pense qu'au fil du temps, je me suis forgée une espèce de, peut-être une carapace, ou un seuil de tolérance beaucoup plus élevé. Et je suis capable de faire la part des choses, honnêtement. Je suis capable de, ce qui ne veut pas dire que ça ne nous atteint pas, mais je suis capable de faire la part des choses. Mais donc, la politique, c'est un peu ça qui est pour quelqu'un qui n'a jamais été public. Parce que j'ai beaucoup de mes collègues qui n'ont pas eu le... Moi, j'ai eu l'opportunité, la chance d'expérimenter un peu, d'être sous l'œil de la caméra pendant la commission. Ça m'a donné un bel échantillonnage de ce qui était à venir, malgré que les deux expériences ne se comparent pas nécessairement, mais ça m'a donné un bel échantillonnage. Donc, je savais à quoi m'attendre. Je peux comprendre, je pense à quelques-unes de mes collègues qui n'étaient pas du tout publiques, de passer de la vie que l'on vit tous et que je vivais jusqu'en 2017. De professionnel qui fait ses affaires puis qui reçoit la critique d'adversaires, mais pas nécessairement la critique de tous les gens du Québec qui veulent bien écrire sur leur Facebook. Ça a probablement été plus difficile, on l'a vu. Il y a eu quelques collègues de l'Assemblée nationale à l'opposition qui ont reçu des messages assez violents dans leurs propos. Ouais. Et ça vient nous miner. Mais ceci étant dit... Est-ce que ça peut faire peur aussi? Ça peut peut-être ralentir l'enthousiasme de certains. J'ai participé au recrutement et je participe encore le plus possible à essayer de recruter le plus de femmes en politique. Naturellement, je prêche pour mon parti, donc j'essaie de les amener du côté de la CAQ, mais je vous dirais qu'en toute transparence, chaque femme qui joint un parti politique, pour moi, c'est quand même une victoire. Mmh. Bon, c'est sûr que je préfère qu'elle vienne travailler avec moi. Ben, on a vu d'ailleurs dans les dernières élections municipales. Oui, c'était magnifique. C'était magnifique. D'ailleurs, c'est pas 5 des plus grandes villes du Québec, c'est maintenant des femmes, ou en tout cas 4, plus que la moitié, si je me trompe pas. Et c'est une belle victoire pour les femmes qui, enfin, je dirais, prennent leur place qu'elles méritent depuis toujours. Elles doivent prendre cette place-là, mais je pense que c'est. Moi, je vais parler pour moi. On a une réflexion qui est beaucoup plus large, des fois, nous, les femmes. Moi, quand on m'a approchée pour venir à la CAQ en 2016, je venais de passer un gros mandat, celui de 4 ans de la commission. Je peux dire que, bon, j'avais pas mal usé mes batteries de secours, donc j'étais à recharger mon énergie. Mes enfants étaient très jeunes pendant mon passage à la commission. Ça date de 2011, donc ma fille avait 6-7 ans. Ça fait 10 ans la commission. Ma fille a 16 ans, mon garçon a 19 ans. Donc, quand ça a commencé, c'est 6 et 9. Donc, c'était des années cruciales où j'ai été peu présente parce que c'était un mandat qui était extrêmement prenant. Donc, ma première réflexion quand on m'a approché, c'est pas « est-ce que ça me tente, ce nouveau défi? » Ça a été « ouf, ça va être quoi l'impact sur ma famille? » Et ça m'a pris 8 mois avant de même songer à me joindre à la CAQ de juin 2016, parce que je suis revenue au Palais de justice en janvier 2016, donc juin 2016 jusqu'en février 2017 quand j'ai accepté de me joindre à eux. Ma réflexion était beaucoup plus sur l'impact sur ma vie professionnelle que le défi professionnel. Justement, comment qu'une femme qui est tout le temps occupée comme vous, qui a un horaire hyper chargé, comment qu'on concilie travail, famille? Vous dites que vos enfants sont relativement jeunes, 16-17 ans, c'est 19 ans, c'est quand même... On se remet il y a 3 ans, là, parce que là, c'est quand même, le saut en politique s'est fait il y a 4 ans, mais il y a 3 ans comme député et ministre, donc il y avait à l'époque 13 et 16. Puis un cœur de maman, c'est difficile parce que je parle pour moi. Moi, quand je suis au bureau, je pense à la maison. Quand je suis à la maison, je pense à mes dossiers. La vie de député, de ministre, c'est pas du 9 à 5, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que c'est des dossiers, c'est des enjeux, c'est des situations qu'on tente de régler du mieux qu'on peut. C'est quelque chose qui nous envahit pleinement la tête, totalement, tout le temps. C'est de trouver des solutions pour décrocher, mais ceci étant dit, c'est d'être bien entouré. C'est sûr que moi, avant de me lancer, j'ai eu une grande discussion avec mon conjoint. Est-ce que ça te convient? Est-ce que... Puis là, c'est drôle parce que je dis toujours mon scénario catastrophe, et les gens ne me croiront pas. Mon scénario catastrophe, c'était d'être élu député, que la CAQ gagne, que la CAQ soit majoritaire, que je sois ministre. Puis quand je parle de scénario catastrophe, comprenez-moi bien, par rapport à la gestion familiale, et non pas par rapport au défi. Exactement. Mais pour moi, quand je me suis posé la question,
Puis à l'époque, on était troisième dans les sondages. Donc, c'était vraiment, je dirais, un coup de dé, là. Mmh. Mais je me disais toujours, je me suis quand même assise avec mon chum, puis j'ai dit, OK, c'est quoi le pire scénario pour notre organisation familiale? C'est que je devienne ministre. Est-ce que je suis prête à embarquer? Mmh. Parfait. Bon, t'as coup, je suis pas ministre, que je suis députée. Je suis prête à embarquer. Est-ce que... Et j'ai fait tous les cas de figure, parce que peut-être que ça vient de ma déformation professionnelle, mais... Très analytique. Très analytique, et moi, je veux pas entendre... Quand je fais beaucoup de coq à l'âne, mais c'est tout relié à la façon dont je fais ma réflexion. Quand je discute d'un dossier ou que j'ai une présentation à faire avec mes équipes, je veux pas qu'on me dise « Madame la ministre, vous êtes excellente, puis ça va bien aller, puis A, B, C, D, E, c'est parfait. » Non, non. Mm-hmm. C'est quoi mes points faibles? C'est où que ça va pas bien? Puis c'est quoi la situation qui pourrait être négative? Wow. Et c'est de ça que je veux qu'on parle. Parce que si ça va bien, là, ça va bien. Puis si tout le monde est content, tout le monde est content, mais qui pourrait être en désaccord sur quoi? Donc, et je fais la même chose quand j'analyse, moi, les cas de figure. Mmh. C'est quoi mon scénario catastrophe? Pas, hey, ça serait cool, puis ça va être le fun, puis je vais être ministre. Puis... Oui, tout ça existe, mais quels sont les inconvénients pour moi de ça? Mmh. Puis est-ce que je suis prête à les assumer? Bien, si la réponse est oui, bien, tu peux jamais être déçu. Tu peux souhaiter autre chose, tu peux souhaiter un meilleur scénario, mais tu es prêt. Donc, moi, c'est un peu la façon dont je me prépare, puis je te dirais que c'est ça. Une belle réflexion, un bon support familial, puis de ne pas se mettre des œillères sur les aspects négatifs d'une situation, parce que, de toute façon, ils vont te sauter au visage, de toute manière. Fait que tu es aussi bien être prêt. Et comment qu'on vit, justement, ce scénario? Un jour à la fois. Un jour à la fois. Non, non, mais c'est pas une catastrophe. Les gens vont dire, à se plaindre, vent le plein, mon Dieu. Non, mais c'est pas une catastrophe. Mais vous savez. Mais, oui, je pense que les gens vont... Pour une femme, mais le fait de pas être chez moi, on est justement dans le pire actuellement des cas de figure. Oui. Vous êtes ministre multiple. Oui, en plus. Mais celui-là, tu vois, c'est pas un scénario que j'avais envisagé. Revenir, non, j'ai pas dit à mon chum, t'as coup, je suis ministre de 6 ministères. C'est drôle, hein? Mon esprit s'était pas rendu jusque-là. Mais je fais des blagues là, parce que ça se gère avec des équipes. Puis de la même façon que la situation familiale, comment on y arrive, parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, c'est d'être bien entouré, avoir une famille puis un filet. J'ai un conjoint extraordinaire qui accepte de prendre le relais quand je suis à Québec. Moi, je suis en garde partagée, c'est le beau-père en plus. Et il s'est tapé les cours de danse, il s'est tapé les cours de volleyball, les cours de conduite que mon garçon a fait. Donc, et ça faisait partie du scénario que quand moi je suis à Québec, ben, je suis là 3 jours, des fois 4 jours par semaine. Mm-hmm. Et le reste du temps, je suis ici, dans le comté. Quand je suis dans le comté, j'arrive à retourner chez moi. Mais comme ce matin, je suis partie... avant que ma fille parte pour l'école, puis quand je vais venir ce soir, il va être tard, elle va être revenue, puis le souper va être fait, elle va avoir été pris. Là. Donc, c'est correct, mais c'est avec une équipe. De la même façon que comment on fait pour avoir plusieurs portefeuilles, c'est de s'entourer de belles équipes, puis d'avoir une équipe solide dans le comté. Quand tu es ministre, le comté, là, c'est ta base. Mm-hmm. Je dis toujours à mes gens, si je ne suis pas députée, je suis rien, parce que c'est ma base. Donc, pour moi, c'est important de prendre soin du comté. J'essaie d'être présente le plus possible dans la mesure où je suis capable de le faire. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de me bâtir une équipe solide dans le comté, puis j'ai réussi à faire ça. J'ai des gens en qui j'ai une confiance quasi aveugle, quasi. On leur rappelle. Je les avise, quasi aveugle. Mais je suis en contact constant là, avec Geneviève, avec Marilène, qui me texte même quand je suis en période de questions, puis à Québec, dans le sens où je suis en contact constant avec elle. Puis pour moi, c'est important, mais c'est important de pouvoir me dire, OK, cette base-là est solide. Bien, ça fait en sorte que ma tête peut être utilisée, être ailleurs, quand elle est nécessaire d'être ailleurs. Puis de la même façon, mes enfants sont solides, à la maison, c'est solide. C'est ce qui nous permet, parce que je pense qu'une femme, ça nous prend ça. J'envie mes collègues masculins qui sont beaucoup plus capables de compartimenter. Je ne sais pas si je fais une analyse pas psychologique où les gens vont dire est dans le champ, là. Mais moi, j'ai toujours envié mes collègues masculins que quand ils sont au bureau, ils sont au bureau. Quand ils sont à la maison, ils sont à la maison. Une femme, en général, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut qu'on soit convaincu que tous nos feux puis nos ronds qui brûlent en même temps sont en ordre, et là, on va se sentir bien. On n'est pas capable de dire « Ah oh non, c'est correct, ils vont se débrouiller, non. »
ça peut être une qualité, ça peut être un défaut, mais c'est comme ça. Donc, à quelque part, ça prend faut être organisé, il faut être en mesure de déléguer, de faire confiance. Oui, oui. Puis comme vous disiez, de bien s'entourer. Il faut déléguer, mm-hmm. On n'a pas le choix, autant dans le milieu familial que oui, parce que quand je suis à Québec, j'ai bien beau me tordre l'esprit, ben je peux pas être chez moi, puis je peux pas aller chercher ma fille après son cours de volleyball, mm-hmm. puis je peux pas aller la reconduire à la danse. Fait qu'il faut que je fasse confiance que quelqu'un va le faire. Bon, ce qui m'empêche pas de texter, oublie pas d'aller chercher cocotte à la danse, mais je fais quand même confiance, même si je texte. Dans tout ça, on en vient à être une superwoman. Excusez-moi l'anglicisme, mais... Ça, c'est les autres qui le disent, parce qu'on se sent pas comme ça. Mais de l'extérieur, c'est un peu ce qu'on perçoit, ouais. D'une femme comme vous, qui a eu une carrière brillante comme avocate, comme procureur, comme... Qui réussit ici et là, qui a les échelons, on a l'impression que vous êtes que vous cachez bien votre cap puis votre petit saut en bleu et mais rouge. Probablement que c'est parce que j'ai depuis le jour 1, moi, de ma carrière, j'ai toujours travaillé en équipe, toujours. J'ai toujours dit, c'est la même chose à la commission, hein, on était quatre, plus que ça, mais il y a 4 procureurs qui ont retenu l'attention, particulièrement 3 avec les commissaires, qui ont retenu l'attention du public. Il y a moi, il y a Denis Galland, qui est allé au bureau au Big à Montréal, au bureau, bon, j'ai oublié le terme, Big, je vais trouver l'anacronyme, mais c'est pour les contrats publics pour la Ville de Montréal. Et Simon Tremblay, on est des figures un peu plus connues avec les 2 commissaires, mais j'avais une équipe de 15 avocats et on était 125 à travailler à la commission, dans le plus fort de la commission Charbonneau. Okay. Donc, je dis toujours, moi, je veux dire, si j'ai pas une équipe solide, si la fondation en dessous de mes pieds n'est pas solide, ma performance, entre guillemets, ne peut pas être solide. Donc, mon rôle à moi, c'était de bien diriger ces équipes-là, de leur faire confiance, mais aussi de prendre ce qu'ils m'apportaient comme récolte d'informations et de bien l'utiliser. Mais je leur dis, ce n'est pas parce que je suis la pointe visible de l'iceberg qu'il n'y a pas en dessous de ça beaucoup plus. Et toute ma carrière, je l'ai bâtie sur des équipes, et toute ma carrière, je l'ai choisie parce que le mandat m'intéressait. C'est facile de le dire après coup, mais sans jamais me poser la question, est-ce que c'est un tremplin pour m'amener plus loin? Je ne me suis jamais posé cette question-là. Okay. Puis je fais comme ça. Fait que ça fonctionne pour moi. Ben justement, qu'est-ce qui vous a amené à la politique? Ah mon Dieu! C'est la politique qui est venue à moi parce que la commission, bon, c'est sûr que la commission a été... l'opportunité de me faire connaître, bien que, encore une fois, en toute honnêteté, c'est un mandat qui devait durer 2 ans. Tout le monde savait que ça allait être une commission d'enquête publique, mais personne ne savait que ça allait devenir une télé-réalité de 4 ans. Là. Personne n'a signé pour 4 ans là, quand on était. Puis même quand il y a eu la première prolongation, la commissaire nous a rencontrés pour nous demander si on était prêts à continuer parce que, je veux dire, on s'était tous engagés pour 2 ans. Et c'est beaucoup, une grosse différence, 2 puis 4 ans. Mais la commission nous a rendu méga public pendant au moins ce moment-là, tu sais. Ensuite, on a quand même côtoyé le milieu de la politique. Il y avait toute la question de l'intégrité, de l'éthique, des contrats publics. Et bien malgré nous, parce que c'était au cœur du mandat, on s'est fait coller une étiquette très, très blanche de... C'est pas parce qu'on... C'est pas des valeurs auxquelles on croit, mais je veux dire, il y a l'image aussi qui fait qu'on est devenu des symboles de l'intégrité, de l'éthique. Puis c'est correct parce que c'était le mandat. Donc, on est allé nous fouiller et brasser tout ça pour ressortir des enjeux et d'essayer de ramener la zone des contrats publics de façon plus intègre au Québec. Mais moi, je suis retournée, la commission a été de octobre 2011 à décembre 2015. En décembre 2015, la commission, je me souviens plus de la date, mais il me semble qu'elle a terminé genre le 22 décembre, puis le 23, moi, j'étais retournée au Palais de justice à Montréal. Là. Je veux dire, j'ai pas eu, tu sais, j'allais pas ailleurs, je suis retournée dans mon ancien poste. Je suis retournée faire mes dossiers que je faisais de meurtre devant jury, des dossiers d'homicide avec les homicides du service de police de Montréal. Fait que j'ai repris un peu là où ma carrière avait été mise sur pause 4 ans plus tôt. Mais c'est sûr qu'avec une perspective différente, ayant connu autre chose, et je cacherai pas que j'étais dans une réflexion de dire, OK,
Est-ce que j'ai fait le tour, 26 ans à la couronne, à avoir fait des dossiers médiatisés, des dossiers d'un niveau de difficulté quand même assez élevé pour le procureur de la couronne? Donc, il me restait plusieurs scénarios. Où je vais? Qu'est-ce que je fais? J'étais dans une réflexion, mais la politique faisait pas du tout partie de mes réflexions. Pour un avocat comme moi, souvent, d'appliquer comme juge, ça fait partie des choses de promotion ou devenir gestionnaire, procureur-chef dans mon cas, parce que j'étais à la couronne, ou de dire qu'est-ce que je fais, je quitte, puis je vais dans un bureau de pratique privée. Donc, les options, moi, tournaient vraiment au niveau des options comme avocate. Qu'est-ce que je pourrais faire comme avocate pour profiter de l'expérience que j'ai acquise à la commission, puis aussi, peut-être que là, je suis retombée un peu dans mes pantoufles, puis... Des fois, il suffit de quitter la maison pour puis commencer à voyager pour dire ben je suis bien à la maison, mais j'ai le goût de voir autre chose. Et c'est là que j'étais. Ma réflexion n'était pas trop accélérée non plus parce qu'il fallait que je reprenne. Ça a été très, très drainant au niveau de l'énergie à la commission. Puis je voulais retomber puis me réancrer dans ma famille puis rebâtir quelque chose que j'avais. Eu, moi, le sentiment d'avoir un peu négligé pendant 4 ans. Ça, c'est mon sentiment, là. Ça veut pas dire que c'est, j'ai pas eu de... Mais... Fait que là, j'ai été approchée par la CAQ. OK. Puis là, j'ai fait comme... Là, ils m'ont dit, écoutez, on veut que vous vous présentiez candidate. Je pense qu'il y avait une partielle à l'époque. Donc, eux autres, c'était avant l'élection. L'élection générale était en octobre 2018. Ils m'ont approché en juin 2016. Okay. Donc, on était à mi-parcours de leur mandat. Ils étaient troisième dans le groupe d'opposition. Et je pense, si je ne me trompe pas, qu'il y avait une élection partielle à Saint-Jérôme, quelque chose comme ça, puis ils voulaient peut-être que je me présente comme candidat. Ma réponse, c'est d'être vous malade. Il n'y en a pas question. Je n'ai jamais pensé à la politique et je ne ferai jamais de politique de ma vie. Okay. Bon. Morale de cette histoire, ne jamais dire jamais, même quand vous êtes convaincu que c'est vrai. Alors, c'est pour ça que maintenant, je suis plus prudente dans mes réponses, parce que je me dis, beaucoup de choses peuvent changer. Mais j'ai quand même... Ça a quand même semé une graine. Je me suis dit, oh! Mais c'est resté comme ça. Je leur ai dit non. Quelques mois plus tard, ils m'ont dit, ben écoutez, la personne que j'ai rencontrée, elle m'a dit, ça te dérange-tu qu'on se garde contact, puis qu'on continue à discuter, puis moi, discuter, j'ai aucun problème avec ça dans la vie. Fait que, OK, parfait. Et là, ils m'ont rappelé quelques mois plus tard, parce que je ne me trompe pas, on était au début de l'été, fait qu'ils m'ont rappelé peut-être à la fin, mi-août, peut-être début septembre, pour me dire, on aurait peut-être une autre proposition à te faire. Ah, OK. Parce que là, candidat, j'avais mis une croix là-dessus. J'ai dit, c'est pas vrai. Puis j'ai dit, ça faisait en sorte que moi, je devais démissionner de mon poste de procureur de la Couronne parce que, comme procureur de la Couronne, on peut pas faire de politique. On peut pas être impliqué dans le milieu politique. Il faut garder une neutralité totale. Donc, c'était pas juste question d'aller faire un tour puis de revenir. Et là, on m'a offert d'aller travailler pour la CAQ comme conseillère spéciale pour tous les enjeux de qui pouvaient être juridiques ou quoi que ce soit. Et là, ils sont venus me chercher autrement. Parce que là, je me disais, OK, je vais. Là, c'était de travailler derrière la scène, derrière, dans l'ombre. Je me dis, c'est parfait pour moi, l'anonymat. Je peux me tromper, tu sais. Je pense, tu sais, parce que malgré le fait que j'allais travailler dans l'ombre, les gens ont fait. Tu sais, quand je suis transférée à la CAQ, c'est devenu méga public. Les gens l'ont su que je me lançais en politique. Bref, encore une fois, je m'étais flouée moi-même en pensant que je pouvais rentrer dans mes terres, puis après la commission, je parle, de redevenir un personnage. Comme j'avais toujours été jusqu'en 2011, c'est-à-dire une professionnelle comme tout le monde qui fait ses affaires puis que personne ne regarde aller, tu sais. Et bref, depuis ce temps-là, ben ils ont continué à essayer de me convaincre puis on finit par me convaincre puis on est ici aujourd'hui. On pourrait en parler pendant 500 épisodes. Une de vos grandes qualités, de mon point de vue personnel, mais je crois que c'est quand même partagé par beaucoup de gens, c'est votre accessibilité. À quel point, justement, vous êtes disponible ou vous rendez disponible pour les gens. La preuve, vous avez participé notamment à une vidéo de la CDC. Oui! Oui. Je me rappelle de ma réplique. Pensez-vous que, justement, l'ensemble des politiciens devraient avoir cette accessibilité-là? Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Je jugerai pas les autres parce que c'est difficile pour moi de le faire, mais pour moi, c'est naturel, c'est important. Comme je le dis, jusqu'en 2017, j'étais encore dans un palais de justice à rencontrer des témoins, des victimes. Et la matière première de mon travail a toujours été les gens.
En poursuite criminelle, on prend les dossiers que les policiers nous amènent, mais on travaille avec des victimes. J'ai travaillé avec des victimes d'agressions sexuelles, de violences conjugales. J'ai travaillé dans des dossiers de crimes organisés. J'ai travaillé dans des dossiers de meurtre où j'avais la famille des gens qui étaient décédés. Donc, pour moi, d'avoir un lien avec les gens, de comprendre ce qu'ils vivent, pour être capable de mieux faire mon travail, ça a toujours été un naturel. Donc, je pouvais rencontrer dans une journée des gens qui sont démunis, qui sont des gens qui sont qui ont des addictions de drogue, qui viennent témoigner contre leur pusher, mais je pouvais rencontrer aussi des médecins légistes pour parler, et des experts pour parler d'ADN puis de traçabilité GPS. Donc je rencontrais dans ma vie une foule de gens de catégories différentes, puis pour moi c'est toutes des personnes. Puis aujourd'hui encore, je suis très consciente du privilège que j'ai d'être ministre, puis moi, j'ai la conscience de l'État, c'est-à-dire, je sais que je représente une fonction qui est importante et qui, pour moi, qui se doit d'être digne, parce que c'est important, un ministre au Québec, quand je dis ça, vous suivez-moi bien, c'est important, de la même façon que j'ai toujours respecté les juges, j'ai toujours respecté l'autorité, je viens d'une famille où on m'a appris à respecter l'autorité, ce qui ne veut pas dire de ne pas la contester, mais de la contester correctement, puis essayer de faire changer les choses. Pas dans l'anarchie. Par contre, le ministre, c'est ma fonction, c'est pas moi. C'est bien différent. Je fais la part des choses entre j'occupe la fonction de ministre et je suis pas ministre, dans le sens que Sonia Lebel n'est pas née ministre, puis dans deux ans ou dans un an, si on décide de pas réélire, que le Québec décide de ne pas réélire la CAQ, ou si ça se passe et que le premier ministre décide de ne pas me renommer ministre, bien Sonia Lebel n'est plus ministre. Donc j'étais ce que j'étais avant, je le suis pendant, puis je vais être encore Sonia Lebel après. Donc je fais la différence entre les deux. Donc c'est sûr que dans des événements officiels, choses comme ça, il y a un protocole, c'est normal parce que c'est la fonction que je représente. Mais c'est pas moi la fonction. Fait que j'ai pas à être au terme, j'ai pas à voir les gens de haut, puis les gens sont pas plus importants ou moins importants. Il y a des hiérarchies, il peut y avoir une hiérarchie de fonction, mais pas une hiérarchie d'être humain. Donc c'est important. Fait que pour ça que moi je dis, les protocoles sont importants quand on occupe des fonctions, mais derrière les fonctions, c'est des êtres humains. Donc quand je suis pas en fonction, quand je rencontre des gens comme député, ben j'ai été élue par les gens pour les rencontrer, mais j'y crois profondément. Donc, ben, c'est pas difficile pour moi de l'incarner parce que je fais pas semblant d'être bien ou à l'aise. T'sais. Et on le sent très bien. Petite anecdote, juste avant le tournage de ce podcast, on était assis là, je préparais les choses. Madame Lebel était exactement comme on peut le voir à l'écran actuellement. C'est la même femme. Et ça, c'est tout à votre honneur, je trouve. Je me suis juste mis un petit peu de rouge à lèvres depuis ce temps-là, parce que je n'avais pas tantôt. 3 heures de maquillage. Mais non. À part ça, là. À part les 3 couches de fond de teint, j'étais pareil. Exact. Non, je vais. Qu'est-ce qui vous passionne dans la politique? Puis j'aimerais ça que vous me glissiez peut-être un mot sur l'importance de la politique dans notre société. J'y crois, moi. Puis ça revient à ce que je te disais tantôt. Hein. On peut contester l'autorité des choses. Mon père, ça vient beaucoup de mon père. Mon père était, ma mère aussi, là, mais c'est des gens de principe. Mon père me disait toujours, tes droits finissent où les droits des autres commencent. Respecter l'autorité. J'ai des êtres humains que je n'appréciais pas dans ma carrière d'avocate qui sont devenus juges et que quand j'étais devant eux, dans la salle de cours, je respectais le juge, même si je ne serais jamais allée prendre un café avec l'être humain. On s'entend? Parce que pour moi, c'est important. Et dans la salle de cours, il était au-dessus de moi, de par sa fonction dans la hiérarchie de la structure de la salle de cours. Moi, j'étais un procureur de la couronne, c'est un juge, je le respecte, il a autorité sur moi, et ça, je respecte ça. Dans le corridor, c'est autre chose. On est des êtres humains. Mais moi, donc je reviens à ça, ce que j'apprécie dans la fonction que j'ai présentement, ou dans la position que j'ai présentement, c'est que je suis en position de pouvoir justement faire changer les choses. Puis, c'est, pour moi, là, c'est une loi, on doit faire changer une loi, bien, c'est pas en la violant, puis en commettant des infractions, qu'on va se donner de la légitimité, parce qu'on dit la loi n'est pas bien faite, puis elle n'est pas bonne, qu'on se donne la légitimité de le faire. Non. Donc, on n'est pas tous obligés de se présenter comme député puis de faire la fonction de ministre, mais je pense que c'est ça, la démocratie. Si on veut exprimer une opinion,
Si on veut exprimer une position, bien, manifester, c'est une façon légitime de le faire quand on le fait correctement, puis qu'on le fait dans le respect des gens, pas lancer des tomates puis cracher des injures, mais faire valoir son point de vue. J'y crois, la démocratie. De la même façon que je crois au droit des syndicats dans une négociation de faire des moyens de pression. Il y a toujours des limites quand on détourne ça, mais j'y crois, la démocratie. Ça fait partie de la démocratie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer les choses. Donc, pour moi, c'est ça aussi la démocratie. Si tu n'es pas satisfait de quelque chose, ben va voter. Parce que moi, j'ai fait partie d'associations professionnelles puis de membres qui... C'est sûr que c'est plate de se déplacer un samedi pour aller à une rencontre puis aller voter. Mais moi, souvent, je revenais à la machine à café le lundi puis je disais « Oh, toute l'affaire que l'association a faite, c'est tout croche. » T'étais pas là samedi? T'es pas venu voter? Ben, tu perds le droit. Dans mon livre à moi, tu perds le droit de chialer. Mais ça, naturellement, vous avez quand même le droit de chialer, là. Mais pour moi, c'est ça. Exprime ton droit. Puis ton premier devoir, pouvoir de citoyen, c'est d'aller voter. Puis ça, c'est ce qui est le plus décevant dans ce qui vient de se passer dans les dernières élections municipales. C'est le taux de participation. C'est important. C'est important. Oui. Puis la politique, les gens me disent souvent, « Oh, moi, je connais rien dans la politique. » La politique, là, c'est simple. C'est ton parc dans ta ville, c'est ta rue que tu veux qui est mal pavée, c'est ton école qui doit être agrandie, c'est ton hôpital, c'est ton épicerie qui menace de fermer. C'est ça, la politique. C'est pas de connaître qui était le premier ministre du Canada en 1932 par cœur, là. C'est pas l'histoire politique. Il y a des passionnés d'histoire politique, il y a des passionnés de politique, d'analyse politique, sociopolitique, mais la vraie politique des gens, là, c'est notre quotidien. Et qui peut influencer votre quotidien? C'est votre maire, vos conseillers municipaux, votre député provincial, votre député fédéral, puis après ça, vos ministres, votre premier ministre. Et là, c'est sûr que dépendamment de quoi on parle, les niveaux changent en fonction des... Et plus on monte, plus nos politiques sont plus à la largeur du Québec, mais plus on est... Et c'est s'impliquer dans un organisme social, c'est dans un conseil d'administration. Donc, pour moi, c'est important. Et je trouve ça toujours déplorable de voir maintenant le taux de participation. Mais je comprends que les gens, ça les tanne. Puis là, on a eu deux élections bout à bout, fédérales, municipales. Ça peut peut-être expliquer un peu de choses. Mais je leur dis, impliquez-vous. Ouvrez votre journal le matin là, avec un bon café. Puis vous allez voir que c'est le genre de choses que plus on le fait, plus on y prend goût. Puis aux gens qui disent, ben, c'est du pareil au même, les politiciens sont tous pareils, c'est tous des menteurs, c'est tous des... Alors on fait quoi? On jette la serviette? Ben, présentez-vous. Ah ah! Et c'est là où je voulais vous amener, c'est justement... Je l'ai lu dans ton regard! Vous remarquez non, qu'il y a une complicité ici. Ben, présentez-vous, effectivement. Exactement. Présentez-vous. Okay. Tu sais, je veux dire... C'est le seul vrai pouvoir, en fait, qu'on a. C'est le vote et de s'impliquer directement. Et de s'impliquer, puis c'est pas nécessaire. Pas obligé d'être commencé par comme conseiller. Impliquez-vous dans votre milieu. Les gens ne savent pas à quel point les milieux ont beaucoup d'influence. Mais avoir de l'influence, c'est pas toujours réussir à avoir 100% de tes demandes. Même au sein d'un caucus parlementaire comme le nôtre, c'est pas tous les députés qui sont 100% d'accord avec 100% des décisions. Ce qui est important, c'est qu'on soit 100% d'accord avec l'essence des décisions, puis que ça ne contrevienne pas à nos convictions. Mais c'est pas vrai. Dans un dossier, là, on est une coalition, mais c'est vrai pour tous les partis politiques. C'est vrai pour tous les groupes. Quand vous avez une réunion de famille et vous voulez décider qu'est-ce qu'on fait cet été, bien, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir aller en voyage en Europe, puis un autre qui va vouloir louer un chalet à côté de chez eux, puis à un moment donné, tu vas faire un compromis, puis tu vas dire, OK, où est-ce qu'on peut s'entendre, puis qu'est-ce qui plaît à tout le monde? Puis tu vas trouver que c'est peut-être une fin de semaine à Québec, je fabule, ou une fin de semaine à New York, Et là, tu vas dire, bien, moi, mon premier choix, c'était pas ça. Mais ça va bien parce que c'est le choix qui convient au plus de monde puis qui fait le consensus. C'est ça aussi la politique. Il faut faire des choix. Puis on le sait des fois que même moi, il y a des choix, et je ne vous dirai pas lesquels, dans lesquels j'aurais préféré qu'on aille un peu plus à gauche, qu'on aille un peu plus à droite. Mais je travaille avec 75 personnes, puis je travaille avec, tu sais, beaucoup de gens. Puis il faut que... Puis des fois, un choix, bien, il y a des pour et des contre d'un côté, il y a des pour et des contre de l'autre. Fait que on essaie de trouver... l'équilibre, ce qu'on pense qui va être le mieux pour le plus de gens possible. On peut se tromper, c'est pas ça que je dis, mais c'est ça l'exercice à faire.
Donc, et puis les gens se disent, ça change rien. Des fois, c'est lentement. Des fois, c'est une petite affaire qui change, que vous apercevez pas. Puis que dans 5 ans, dans 10 ans, elle va avoir fait toute la différence. Donc, faut pas se décourager. Je pense qu'il y a pas de grand... Il faut pas juste avoir des victoires spectaculaires. Les petites victoires sont importantes aussi. Vous voyagez un peu partout au Québec. Plus là, oui. Vous êtes député du comté de Champlain, qui regroupe quand même Mi'kmaq et Deschenaux. Y a-tu des choses dans Deschenaux que vous aimez tout particulièrement? À part la CDC, bien entendu. Je ne sais plus quoi dire compte tenu que c'est ça. Non, mais on a... j'ai la chance d'avoir un comté avec Deschenaux et Mi'kmaq qui est très différent. Deschenaux, le fleuve, on est dans, plus dans l'agriculture, on est dans l'eau, la rivière, aussi Mi'kmaq. Mi'kmaq, on est vraiment plus dans la forêt. Mais moi, ça demeure les gens. Là. Je veux dire, puis je te dis vraiment pas ça pour me débarrasser de la question parce que souvent, je vais parler des... Puis j'aime la vitalité qu'on a dans Deschenaux, les commerces... il faut explorer notre propre région, puis des fois, il suffit d'y vivre, il ne faut pas bien la connaître. Mais écoutez, moi, je suis ravie et très heureuse d'être députée de Deschenaux, de Mi'kmaq et donc de Champlain. En terminant, Première ministre... Oh mon Dieu Seigneur! Hey, je n'ai pas dit que je travaillais au jour le jour, moi, puis que c'était une chose à la fois, mais... Là, mais attention, si on se projette, puis qu'on met le pire des scénarios... Je ne suis pas capable de me projeter. Oublie pas que j'avais dit la politique jamais. Jamais. Donc, est-ce qu'on dit première ministre jamais? Je suis pas là. Aujourd'hui, je suis pas là du tout dans ma tête. En tout cas, avec tout ce parcours-là, cette accessibilité-là, cette gentillesse-là, ça fait de vous une femme hors du commun et ça, on l'apprécie vraiment beaucoup. Merci. Je prends le compliment. Merci beaucoup. Eh bien, revenez-nous bientôt pour Hors du commun. Bye-bye. Du commun, un balado fièrement Deschenaux.